Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Très heureux de vous informer, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les sommets. Les projets des lois relatifs au bureau d'information sur les crédits étaient à l'ordre du jour de la plénière du 9 octobre à l'Assemblée nationale. Les élus provinciaux de Kinshasa vont examiner ce 11 octobre une motion de défiance initiée contre le gouverneur Jean-Tiny Ngobila. C'est ce que précisent les communiqués signés par le rapporteur de l'Assemblée provinciale, Junior Nembalemba. Et puis les CESAC interdits et menacent de fermer, le média qui reviendra sur l'affaire mettant en cause le pasteur Marcelo et la famille de Papa Wemba suite aux propos tenus par ces derniers. Encore une fois, bienvenue si vous nous rejoignez. Les députés nationaux se sont retrouvés dans l'après-midi du lundi 9 octobre 2023, dirigés par le professeur André Mbata, premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il était essentiellement consacré au projet de loi relatif au bureau d'information sur les crédits. Suivez. Présenté par la vice-ministre de Finances, Onej Joncelé Mipa, le projet vient ainsi parachever les réformes entamées dans le secteur des finances publiques. Il s'agit de la loi relative au bureau d'information de crédit qui vient ainsi parachever les réformes entamées dans le secteur des finances publiques. Nous savons que l'accès au crédit est une composante essentielle du développement économique et de la création d'emplois en raison de la corrélation qui existe entre le développement des systèmes financiers et la croissance économique. Il est aussi important de souligner que l'octroi d'un crédit est essentiellement basé sur la connaissance que le prêteur a de l'emprunteur. Suite à cela, telle est l'économie générale de ce projet de loi pour lequel je sollicite de votre auguste chambre l'approbation et surtout votre examen en ce jour. Le bureau d'information sur les crédits sont donc une société commerciale agréée par la Banque centrale du Congo, laquelle effectue à titre professionnel habituel la collecte, la compilation, les stockages, les traitements des données et d'informations, aussi des sources publiques et des fournisseurs. Dans le débat général sur ces projets des lois, les députés nationaux ont fait observer que cette matière relève de la réglementation. C'est pour ainsi dire que le gouvernement peut agir de manière réglementaire sur cette matière. Au finish, la vice-ministre de Finances a sollicité et obtenu 72 heures pour rencontrer les préoccupations de la représentation nationale. Prenons cette information en bref. Dans un communiqué signé par le rapporteur de l'Assemblée provinciale, Junior Nembalemba, il est annoncé que les élus provinciaux de Kinshasa vont examiner ce 11 octobre une motion de défiance initiée contre le gouverneur Jean-Tiny Ngobila Mbaka. Ce communiqué précise que le gouverneur Ngobila devra présenter ses moyens de défense face aux griffes retenues contre lui. L'Assemblée provinciale lui reproche de la mégestion et l'assurédentement de la ville de Kinshasa. Nous y reviendrons avec plus de détails dans nos prochaines éditions. Autre chose, les chiens aboient, la caravane passe. Telle est la réaction du porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, au cours d'un briefing co-animé avec son collègue de la santé hier, lundi 9 octobre. Pour Patrick Muyaya, le gouvernement congolais n'accorde aucun crédit aux propos du général John Numbi, car les problèmes du pays et de l'armée seront réglés. On l'écoute. Il y a quelque temps, on disait que je ne suis pas un agneau, on disait ceci, on disait cela, mais on s'est soustrait. Parce que le 2 juin 2010, il y a l'assassinat de l'activiste Floribert Chebeya. Lorsqu'on pense qu'on est héros, on ne s'est soustrait pas. La justice de son pays, on ne se met pas en cavale, on ne fait pas des vidéos pensant pouvoir faire peur alors que vous savez que
personne ne peut vous prendre au sérieux parce que les Congolais ont la mémoire. Aujourd'hui, avec le président Tshisekedi, nous travaillons à régler des problèmes de l'armée, notamment militaire. Je pense qu'un général avec des galants aurait pu peut-être régler déjà beaucoup de problèmes que nous réglons aujourd'hui. Donc pour nous, c'est une tentative maladroite et malheureuse de vouloir semer la peur alors que les Congolais sont en train d'attendre et de se préparer aux élections. Et donc, les chiens aboient, la caravane passe. Poursuivons ce journal. En tournée des redynamisations de son parti politique, Martin Fayulu s'est adressé à la population des Kikwit venue l'accueillir malgré l'interdiction de son meeting par le maire de cette ville. Le candidat à la présidentielle aux élections de 2023 les a appelés à voter utile pour l'avenir de la nation. On l'écoutait. Carnage des Goma, on en parle encore dans ce journal, mesdames, messieurs. Le tribunal militaire des garnisons des Goma a condamné 63 prévenus à de lourdes peines le lundi 9 octobre dans le cadre du procès relatif à la répression sanglante des Goma enregistré le 30 août dernier. 8 personnes ont été condamnées à la peine de mort. D'autres accusés dans cet événement sont écopés de peines allant de 10 à 20 ans de servitude pénale principale. 8 femmes figurent parmi les condamnés. Le tribunal militaire a acquitté 52 personnes et les a envoyées de toute poursuite judiciaire. Des responsables militaires ont été arrêtés puis condamnés et les gouverneurs militaires du Nord Kivu rappelés en conciliation à Kinshasa dans le cadre de cette affaire. Et en marge de la journée mondiale de la Poste, le ministre des Télécommunications et Nouvelles Technologies et de la Communication, Augustin Kibasa, a dans une allocution appelé la population à faire confiance à la Poste et aux opérateurs agréés que de servir des prestataires non autorisés car, dit-on, rien ne remplace la Poste. On l'écoute. Il est demandé aux opérateurs désignés de collaborer pour un avenir sûr et connecté. Ils doivent de ce fait bâtir un réseau mondial qui va réduire le fossé numérique existant dans certaines parties du monde, mettant en péril ce désir d'échange et de partage des informations et des biens par un réseau physique étendu à la sphère numérique. La confiance dans la traçabilité des envois, la confiance dans la sécurité, la confiance dans les échanges d'informations entre services postaux et le leitmotiv au centre de la réflexion de la Poste de cette année. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, s'agissant des services de poste de notre pays, sous la vision de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le leadership de Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Kondé Kyenge, votre gouvernement a fait du développement de la Poste une priorité des piliers de son programme d'action. Mon ministère ne ménage aucun effort afin de soutenir les activités de modernisation des services et produits de la Poste. C'est au travers de cette vision que le gouvernement a planifié la réhabilitation des bureaux de poste dans les 145 territoires. L'accompagnement de la Société congolaise des postes et télécommunications, SCPT en sigle, a permis l'opérationnalisation des services innovants tels que le e-commerce à travers
la Post Market, une plateforme numérique de vente et achat des divers articles en ligne. Je l'ai annoncé au sommaire. Suite et à ses propos, le pasteur Marcelo Tounassi a été reçu par le président du CESAC, Christian Bossembe, le lundi 19 octobre. Cependant, les responsables de l'église de la Compassion affirment que ses propos sur Papa Wemba et King Kester Emeneya ont été mal compris. De son côté, Christian Bossembe menace de fermer le média qui reviendra sur ces dossiers à la télévision. Suivez. C'est un invité au sujet d'un message qui n'a pas été bien compris. Et je suis venu pour éclaircir que nous avons annoncé la parole de Dieu, la vérité de Jésus-Christ, afin de sauver les âmes, sauver notre nation. C'était cela. Je remercie le président Bossembe pour sa courtoisie et aussi pour la maturité spirituelle qu'il a manifestée, comprenant ce que j'ai enseigné. Et je suis très encouragé. C'était très important de recevoir le pasteur Marcelo. Je le dis toujours, chaque société a ses icônes, chaque société a des fondamentaux. Et si une société ne sait pas reconnaître ses fondamentaux, c'est quand même très compliqué. Et moi personnellement, pas dans ma casquette de chrétien, mais dans ma casquette de citoyen, je ne pourrais permettre les lynchages d'un homme de Dieu ou des hommes de Dieu. Il n'est pas question de prendre position pour ou contre, mais il est question d'appeler à la paix, d'appeler à la retenue et surtout à la responsabilité. De même, il est important de rappeler aux gens qu'il n'est pas permis à la télévision d'insulter les gens de la même manière qu'il est interdit aux gens de profiter d'un statut quelconque pour déranger. Et on a fait, on a eu des échanges assez fructueux avec les pasteurs. On a discuté, il m'a fait comprendre le fond de sa pensée. Et j'ai fait comprendre aussi au pasteur le raisonnement des gens, comment cela peut aller. Et j'ai aimé sa courtoisie aussi, j'ai aimé son élégance. Et je crois que ces échanges se font très bien passer. Mais je profite de l'occasion pour dire que ça va être la fin de cette histoire. Le média qui va parler de ces dossiers à la télévision, citant le nom du pasteur ou de l'église, de la même manière, citant le nom des musiciens, ce média-là va être fermé. Nous allons sanctionner, mais sévèrement. Parce que nous sommes dans une société, il faut que les gens gardent leur place. Que les gens se respectent mutuellement, et c'est dans le respect que l'on va construire notre pays. Si dans un pays, on ne sait pas respecter les icônes, on ne sait pas respecter le porteur de grands messages, si on ne sait pas respecter le porteur de l'étendard de notre pays, eh bien, cette société est en perdition. Et nous, la nôtre, nous ne pouvons pas la perdre. Voilà pourquoi il faut un degré de sérieux, de courage, parce qu'il faut, et surtout beaucoup de discipline. Je l'ai dit et je terminerai par là, il n'y a que l'ordre et la discipline qui pourront élever ce pays. Et en dehors de nos frontières, un mois après qu'un tremblement de terre a secoué le Maroc, tuant près de 3000 personnes et détruisant des bâtiments dans plusieurs villes, qu'en est-il arrivé au peuple marocain après ces séismes? La réponse dans ces reportages de nos confrères d'Africa News. Un mois après le tremblement de terre qui a secoué la région d'Al Haouz au Maroc, tuant près de 3000 personnes, la vie reprend doucement son cours à Amzmiz où des quartiers entiers se sont effondrés. Soukaina El Bouch a déménagé avec sa famille dans une tente à la périphérie de la ville. Une situation difficile pour la jeune femme et ses enfants. Vivre dans une tente est totalement différent de vivre dans une maison. Les enfants viennent juste de commencer à aller à l'école. Ils étudient sous les tentes. La vie dans une maison est très différente de la vie dehors. Nous avons beaucoup souffert. Il fait très chaud le jour et froid la nuit. L'hiver est très proche. Nous avons peur de souffrir à nouveau. L'urgence vitale est couverte pour les déplacés, mais la situation demeure éprouvante malgré tout, assure Tayeb Semari, un habitant d'Amezmiz. Nous avons reçu une aide humanitaire, mais vous savez, au niveau mental, c'est très dur de quitter la maison et vivre dehors dans la rue. Pour les femmes, c'était très difficile. Elles souffraient de la pollution, ne pouvaient pas aller aux toilettes extérieures. Mais après cela, la situation s'est un peu améliorée. Nous avons reçu plus d'aide, comme des toilettes et des tentes. Mais notre état mental et celui des enfants n'est toujours pas bon. Abdrahim Aït Boujmaa a rouvert son épicerie il y a 5 jours. L'avoir fermé en raison
dégâts causés par le tremblement de terre. Il n'y a pas longtemps, j'ai rouvert l'épicerie. Comme vous le voyez, elle est vide de clients. Même les clients qui avaient des dettes, ils sont partis. Personne ne m'a payé. Donc on attend toujours des jours meilleurs. Le chemin vers la reconstruction sera long et ardu, mais beaucoup de villageois sont déterminés à rebondir malgré les défis évidents. Ce journal touche à sa fin. Avant tout, je vous rappelle les principaux titres. Vous l'avez suivi dans ce journal, le projet des lois relatifs au bureau d'information sur les crédits était à l'ordre du jour de la plénière du 9 octobre à l'Assemblée nationale. Et puis, les élus provinciaux de Kinshasa vont examiner ce 11 octobre une motion de défiance initiée contre le gouverneur Gentini Ngobila Mbaka, ce qui précise les communiqués signés par les rapporteurs de l'Assemblée provinciale. Et enfin, le CESAC interdit et menace de fermer le média qui reviendra sur l'affaire mettant en cause le pasteur Marcelo et la famille de Papa Wemba suite aux propos tenus par ces derniers. Et voilà, ce journal est complètement terminé. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Au revoir. Retrouvez Jeannette Fika demain. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.